Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un unboxing Temu, une fois n'est pas coutume. Hein. En ce moment, enfin, en ce moment, j'en ai pas mal sur ma chaîne et ça marche bien ces vidéos. Je suis étonnée, mais ça fonctionne bien. Notamment une où j'avais déballé mon fameux massicot. je vais mettre pause une seconde, je vais fermer la fenêtre parce que on va entendre mes voisins. Allez, cette fois c'est parti. Alors on commence par lequel? J'aurais vraiment hâte de commencer par celui-ci, mais bon, on va garder le meilleur pour la fin. Ah, mon ciseau, il coupe vraiment plus. Il va falloir que je l'aiguise. En plus, j'ai un aiguiseur, mais. Est-ce que ça va fonctionner? Bon, normalement, mon aiguiseur, c'est pour un ciseau Fiskars. Alors non, ça va pas. C'est trop loin. Peu. Verra ça plus tard. J'irai plus vite à la barre. Alors, voyons voir. Voici un coupe-cercle. J'en avais déjà un autre. Je vais vous le montrer. J'en avais acheté un autre en fait, comme ceci, à Action. Mais bon, il était pas top. Et celui-ci, il me paraît bien, on verra. On le testera ensemble. Dans une, pas, je sais pas, dans une prochaine vidéo, là, je pense. Que là, je vais juste déballer. Les lames pour ce fameux massicot. Parce que la mienne, elle est déjà morte. Pour ce fameux massicot. Normalement, ça va être les mêmes. Bon, je vais pas payer cher, il me semble. Bon, je sais plus. Je sais plus, je vais plus dire de bêtises, mais moins de 3 euros, il me semble. Donc, c'est tellement peu cher que ça m'étonne pas que les lames, elles tiennent pas. Hein. On verra bien. Une perforatrice d'angle. J'en avais déjà une. Désolé pour le bruit. J'avais déjà celle de. Avec la planche à enveloppe Artemio, mais celle-ci j'aimais beaucoup parce qu'il y a trois coins différents. Et comme j'ai ce massicot vert, ma guillotine Artemio, bon bah, et qu'il n'y avait pas d'autre choix parce que sinon, quand enfin. Je prends soit bleu parce que j'ai, comme je viens de vous montrer, j'ai du bleu. Sinon, mes couleurs préférées, c'est le noir et le blanc. Et voici, bon, pour celui-ci, il est vide. J'avais commandé d'autres stickers. Les stickers cercle. Ah, ils sont mignons. Totoro, ah c'est Totoro, je dis pas de bêtises, hein. C'est Totoro il me semble. En fait, à chaque fois, des fois je commande des trucs, je me rappelle même plus ce que je commande. Un petit lapin. Il me semblait que j'avais commandé pour Alice et au pays des merveilles, parce que sur mon livre, Petite poupée, je vous avais dit je vais faire, je sais pas si je vous l'avais dit, il me semble que si. Ah voilà, ceux des champignons. Là, c'est tous les champignons. Alors, Alice au pays des merveilles, il y a des champignons. Oh, il est trop mignon, celui-là. Ah, celui-là aussi, il y a des lunettes. Ah, mais en fait, le reflet, des fois, vous embête. Faut que je fasse attention. Trop mignon. Ces champignons sont mignons, mignons. Je sors mes blagues pourries. Voilà pour ça. C'est bizarre parce que il me semblait que faut que je vérifie ce que j'ai acheté parce que. Ah, alors celui-là, il n'est pas très mignon. Hein. Il fait un peu peur. Qu'est-ce que ça vient se glisser dans les beaux paysages, les belles roses? Voilà, les beaux paysages. Et là, on a un cadavre. Enfin, un squelette.
Il y a des belles choses. J'aime bien. Bon, je vais pas tout vous montrer un par un. De toute façon, vous verrez quand. C'est pour recouvrir. Je vous avais expliqué où il y a du feutre à alcool sur mes livres de colo. Je veux faire une sorte de art journal avec des stickers et parce qu'il y a dedans. Je vous montre un autre. Ceux-ci, ils sont normalement. C'est bizarre. J'étais persuadée que. Ah, voilà. J'étais persuadée que j'avais pris un peu pour aller. Comme aller sauter les herbes. Donc, les champignons. Faut que ça. En fait, pour moi, faut qu'il y ait un petit rappel concernant. Parce que quand. Ben, je vais vous montrer parce que vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Dans le livre Petite poupée. Le premier colo que j'ai fait, derrière, c'est Alice au pays des merveilles. Donc là, je vais colorier évidemment Alice au pays des merveilles. Et ici en face, je vais faire une sorte de art journal pour cacher tout le feutre à alcool. Une sorte de art journal, enfin, pas que, hein, je vous montrerai après ce que je vais faire. Et certains stickers qui rappellent Alice au pays des merveilles. Enfin, pour moi, il faut qu'il y ait un petit thème, un petit fil conducteur. On verra ce que ça donne, hein. Peut-être que ça va être horrible. Hein. Ben, vous voyez, celui-là, il sera parfait dans le... il sera dans le thème. Les tasses. Ouais, celui-là, je... c'est vraiment le chat. Pas mal les stickers. Je sais que quelques-uns d'entre vous m'ont demandé des explications pour l'imprimante thermique que j'ai achetée, la petite. Et comme j'en ai acheté une autre qui doit arriver avant le 25, je vais faire une battle et vous expliquer plus en détail quand je l'aurai reçue. Parce que quand on fait du scrap, je pense que ça va être très utile. Mais ça, je vous le redirai quand j'aurai reçu la deuxième. Oh, la montre. La montre. Obligé. Là aussi. Bon, après, ils sont super beaux ceux-là. Bon, je ne veux pas tous vous les montrer, sinon on va y rester des. Ça serait pour la famille Adams. Mais il n'y a pas de colo pour la famille Adams. Enfin, notamment dans la petite poupée, en tout cas. Et il fait un peu peur ce chaton. Voilà. Après, il faut pas que je mette que des carrés, hein. Enfin, que des rectangles. Hein. Bois-moi, tout ça, tu vois. Ah, je dis, tu vois. Vous voyez, parce que vous êtes plusieurs à me regarder. Donc ça va être parfait. Mais parfois, je vais déchirer une page, enfin, du hard journal, quoi. Après, si vous connaissez le scrap, après, vous me verrez faire, parce que j'essaierai peut-être de le faire en vidéo. On verra. Peut-être ça va faire horrible. Au pire, si je massacre tout, que ça fait moche, et ben, je fais comme Fabienne. Hop, feuille 30-30 et je recouvre. On verra. Mais bon. Je suis confiante dans ce genre de truc normalement. Ben finalement, je vous aurais tout montré en discutant. Le chapeau est une rose. Voici pour les stickers. Moi, je les trouve vraiment mignons. Allez, je suis pressée d'ouvrir ici. J'ai commandé cela avant et après ça. Et j'ai reçu tout en même temps. Ça n'a pas traîné. Hein. Ils vont vite chez Temu. Temu ou Temu?
style mou comme une chique. Ça, c'est... Il n'y a que les ch'tis qui vont comprendre. Je vous dis que mes blagues, elles font rire comme moi. Je me rappelle même plus ce que j'ai acheté. Ah oui, bon, bah, ça, c'est rien d'intéressant. C'est des patchs anti-points noirs parce que j'ai un ado, là, enfin, deux ados pour le nez. Rien d'intéressant. Ça, c'est un mini-jeu pour mes élèves à la cantine. Bah, ceux qui me suivent, ils vont le découvrir. Ça va plus être une surprise. Ça m'a coûté à peine 2 euros. Voilà le panier. De manger, mon estomac écrit encore famine. C'est bizarre, ça. J'aurais peut-être dû mettre le panier avant. Trop tard. Il y avait peut-être des autocollants, non? Bon, non, ça n'a pas l'air. D'accord, hop, on fait comme ça et on tourne. Ok, basketball, basketball. Essayons. Est-ce que je vais faire panier? Oh, ben, ah non, non, si je mets le ballon où il faut pas, forcément. Oh bah. Pensez-vous que je vais faire panier? Dernier essai. Alors, il y a que la vidéo qui me dira si je l'ai mis, hein. Mais je suis pas sûre. Oui! Panier, panier. Pas mal. Je suis contente. C'est pas très cher et je pense que mes élèves ils vont bien aimer. Tous les garçons. Voilà. Ah, tiens, encore des stickers. Une fois n'est pas coutume encore. J'abuse. Hein. Alors, ceci, c'est. Ah ouais, des objets. Les objets anciens, la cassette, la télé, la montre. Oh, mon grand-père, il avait à peu près le même poste. Les vieux téléphones. Machine à écrire. Bon, cela, je vous les passe rapidement. Une vieille montre, etc. Dites-moi en commentaire hein, si vous voulez vraiment que je vous les montre un à un la prochaine fois, enfin, ou dans une autre vidéo. Parce que là, j'essaie d'aller vite pour pas que ma vidéo dure encore 3 heures. Alors, ça, je suis bête, j'en avais déjà commandé, mais c'était trop tard. Et c'était une commande à 90%, je voulais annuler et je pouvais pas. Donc, tant pis, bah, du coup, j'en aurai. Regardez-moi ça. Je suis vraiment bête. Ouais, c'est pas grave, hein. J'en ai bien l'utile. Par contre, la trousse est différente, hein. Ici, c'est donc une trousse relativement, ben, relativement belle, on va dire. Et là, dans un sac, tout pourri. Bon, j'exagère. Alors, et oui,
les brosses. Parce que quand on colorie ou qu'on fait du scrap, on a besoin de beaucoup de brosses. Et quand en fait on a des genres de commandes à réduction, là, 90% ou 50% ou machin, on n'a que des objets sélectionnés à l'avance. Enfin, ceux qui connaissent Temu devraient savoir. Bah moi j'aime bien, ils sont bien. Ça c'est les anciennes. Là elles sont toutes douces. Et franchement, elles sont pas mal. Donc je suis contente et le manche il est. Non, c'est bien. Un plioir et un autre. Parce que à chaque fois j'ai. Il paraît que c'est un os. Un os plastique, ouais. Foutre de nous, ouais. En os. C'est pas du tout de l'os. On voit bien que c'est du plastique, hein. Mais bon, ça fonctionnera quand même. Parce qu'à chaque fois, je prends celui de Mascorpal. Celui-ci. Bon, après, ça m'aurait suffi, hein, mais bon. Je voulais tenter autre chose pour voir si ça allait mieux. Au moins, je les ai. Hop, ils ont déjà retrouvé leur place. Des cachets de cire. Parce que moi, je suis. Comment dire? Un peu rétro, j'aime bien le rouge. Je n'en avais pas assez. Je trouve que le rouge, ça claque. Enfin, rouge bordeaux. Parce que là, c'est plus bordeaux. Pas mal. Et maintenant, une gel presse. Je vous avais expliqué mon désarroi là, avec le silicone que j'avais acheté 21 euros sur Amazon. Il n'avait pas fonctionné, il était devenu plus dur. Et ben, en fait, juste après, j'ai trouvé une gel presse. Temu et vous savez combien je l'ai payé? Moins de 5 euros, me semble. Attendez, je vais regarder, je vais pas vous mentir. Hop, on va regarder sur ma tablette. Paf, avant, j'enlève toutes mes notifs. Paf, 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 paf. Alors, vos commandes. Regardez, je ne vous mens pas. Elle était à 4,05 €. Une 8 x 10 pouces. Vous voyez en dessous, vous voyez même les brosses. Donc, je ne vous mens pas. 4,05 €. Alors qu'en fait sur Amazon, les prix peuvent monter pour une gel presse comme ça. Ça peut aller relativement. Après, bon, peut-être, on verra. Hein, peut-être ça va pas fonctionner. Peut-être c'est de la daube. À 4 euros, peut-être c'est de la daube. Non, ça, je peux pas. Il va falloir que je l'essaye pour savoir. Eh ben, on va bientôt tester cette presse. J'en ai jamais fait, mais quand je voyais Laetitia faire, j'avais trop envie de le faire. Par contre, leur rhodoïde, il est bien, bien abîmé quand même. Il va falloir que je trouve. Bon, en tout cas, il faut garder les rhodoïdes évidemment pour la protéger. Mais je suis vraiment contente. J'ai trop hâte de la tester. Et en fait, ça, par contre, je ne connaissais pas. Avec du papier type magazine, ça reproduit la pression. Ça, c'est pareil, il va falloir que je teste. Hein.
Donc voilà, vous avez tout vu pour aujourd'hui. Mais ce unboxing Temu, ça va être content pour la remettre là-dedans. J'ai trop hâte de tester cette jeune presse. Bon, je crois bien que définitivement elle va pas retourner là-dedans. Faut que je trouve quelque chose où la ranger. En tout cas, elle est deux. Je vous la mesure. Enfin, ça, c'est toutes les autres tailles qu'ils ont. Moi, il me semble que c'est une 20 sur 25. Exactement. 20 et demi sur 25. Une 20 et demi sur 25. Ben, allez voir les prix sur Amazon. Allez voir, vous allez. Ou même sur AliExpress. C'est ça, ça coûte cher. J'ai halluciné de tomber sur elle. Est-ce qu'elle a un défaut Elle m'a l'air pas mal. Voilà. Donc on va se retrouver très rapidement. Déjà sur le livre poche. Parce que comme ça a été la reprise, je n'ai pas colorié. Donc on va se retrouver sur le livre poche où je vous avais dit que j'avais fait des tests. Cette fois, je vais pas faire tout le colo en vidéo très longue. Mais comme je vous avais expliqué, hein, des parties. Donc, par exemple, une marguerite, on la fait ensemble, vous avez des teintes. Même si ça sera un peu plus compliqué. Mais bon, vous voyez, on verra ça au fur et à mesure. Pour la imprimante thermique, rapidement. Parce qu'on me demandait s'il y avait de l'encre ou quoi, ou qu'est-ce, non. Ce n'est pas de l'encre, c'est ça chauffe en fait. C'est là à l'intérieur, c'est des étiquettes autocollantes. Et on installe une application qui, comment dire, vous voyez là, je viens d'allumer, elle s'est connectée. On scanne le QR code, l'application s'installe. On peut faire des étiquettes. Donc ici étiquette de. Bah de cours, hein. Bon là elles sont en anglais, mais évidemment vous pouvez changer. Par exemple ici, hop, on clique dessus, hop, c'est vraiment très intuitif. Hein. Ici on renomme, bah je vais vous montrer, tiens. Je vais écrire. Hop. Voilà, tac, terminé. On replace. Ici, elle est à 5 cm sur 1, on va la laisser comme ça. Imprimer, impression. Ah, qu'est-ce qui se passe? Le papier était mal mis. Bon, en fait, elle l'a imprimé, mais le papier était un peu trop gonflé. On va refaire. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, n'importe quoi. Les essais que j'ai fait, c'est pas grave. Qu'est-ce qui lui arrive? À chaque fois que j'ai fait des essais hors caméra, ça fonctionnait très bien. Et là, comme par hasard. Elle est bien fermée. Hop. Pourquoi elle ne veut pas s'arrêter là? Ah d'accord. Lorsque l'impression est mal alignée, veuillez calibrer. Bon, quand tu veux, tu t'arrêtes. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui.
Qu'est-ce qui lui arrive? Regardez, elle me sort tout le papier. Il va falloir que je roule. On veut l'éteindre. Oui, c'est normal. Là, j'avoue qu'elle me fait n'importe quoi. Là, un petit coup de calgon. Oh, là, là, là. Bon, en tout cas, regardez. Ça fait des étiquettes. Bon, là, en fait, pas. Les premières impressions qu'elle a fait, c'était beaucoup mieux. Après, cette imprimante-ci, je l'ai payée 11 euros. Donc, c'est vraiment très peu cher. Étalonnage. On va équilibrer. Que normalement elle devrait s'arrêter. Je comprends pas pourquoi elle ne s'arrête pas. Donc ici, papier type étiquette, exactement. Ça, par contre, je sais pas encore à quoi ça sert. Oh, là, il y a une photo 58-12. C'était même pas 58-12, c'était 58-15. Bref, on reverra ça ensemble avec l'autre étiqueteuse qui s'appelle Fomemo, il me semble. C'est la M110 que j'ai achetée. Donc celle-ci, elle coûtait 11 euros. Au départ, je me disais, bon, pour ce que je veux en faire, ça va bien m'aller. Mais bon, je suis vite tombée dans l'autre parce qu'elle elle coûtait que 37 euros au lieu de 62. Et pour faire des étiquettes autocollantes. C'était parfait. C'est bon, leur étalonnage là? Non, elle devrait s'arrêter. Pourquoi elle s'arrête pas? C'est bizarre. Achevé. Elle s'arrête pas. Oui, il y a un truc bizarre. Oui, c'est normal, je l'ai éteint puisqu'elle ne veut pas s'arrêter. Pourtant, depuis la dernière fois, j'y ai pas retouché. J'ai fait une étiquette sur le livre de ma fille. Et j'ai fait, elle s'arrêtait très bien, donc je sais pas pourquoi elle s'arrêtait. J'ai fait une étiquette ici sur ces fameux feutres acryliques Action. 3,49 € achetés le 12 mars. Et moi, je les aime bien. Moi, je les aime bien. Après, j'ai pas testé dans les colos, mais... Et elle s'arrêtait tout seul. Bon, c'est pas grave, on verra. Je reverrai tout ça hors caméra. Il y a un truc qui va pas. En tout cas, ça fait des étiquettes comme c'est prévu. Bref, voilà. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se dit à très vite. Bisous!